Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui les Elonishmat Yaakov ben Aisha, Rachel Batsara et Rivka Batsara. Et nous étudions Baba Metzia, Perek Aleph, Mishnah Vav, Matzah, Shtare, Oshitre Chov, Im Yesh Ben Acharayut Nechasim, Lo Yachazir, Shebet Din Nifraim Men. En Ben Acharayut Nechasim, Yachazir, She'en Bet Din Nifraim Men. Divrei Rabbi Meir. Vachachamim Omrim, Ben kach uven kach lo yachazir mipenei shebet din nifrain mehem. Voilà une Mishnah, un petit piment de Cayenne, petite mais costaud, très très riche en données. La Gemara se rallonge énormément pour expliquer ces notions de Gemara, de Talmud, de l'homme d'Est, très profonde, de ces sugyot, des shtarot, des contrats. C'est relativement complexe. Expliquer parfaitement cette Mishnah, rien que la Mishnah, avec les conclusions de la Gemara bien sûr, prendrait sûrement quelques jours, voire semaines d'études théoriques. Mais on va quand même essayer de donner un concentré des notions essentielles. Et on va d'abord commencer par introduire... Attendez, je me suis fait un petit bloc-notes pour organiser mes idées. D'abord, on va d'abord introduire c'est quoi un shtar. Un shtar, c'est un contrat, un acte de reconnaissance dans lequel on reconnaît une dette, d'accord, c'est ce qu'on appelle un shtar, d'accord, on va appeler ça donc un contrat de dette, d'accord. La problématique de la Mishnah va être tout simplement de nous dire, lorsque je trouve un shtar dans la rue, un contrat, et qu'il y a écrit dessus, Réhouven a emprunté 10 000 shekels à Shimon, est-ce que je peux partir le rendre à Réhouven ou à Shimon, ou est-ce que je le rends à personne? Ça, c'est la problématique de la Mishnah. Comprendre, expliquer d'abord les nombres cas possibles, alors c'est là où ça devient compliqué. On va d'abord introduire une notion simple. Tout d'abord, le cas le plus élémentaire. On pourrait le comparer d'abord à simplement celui qui trouverait un chèque dans la rue que Réhouven a écrit, qu'il doit 10 000, et qui est donc un chèque à notre époque, c'est aussi un shtar, c'est un acte de reconnaissance de dette. Dans lequel il écrit donc je dois 10 000 shekels à Shimon. La question c'est ce qu'on le rend à Réhouven ou Shimon. D'abord, première donnée élémentaire, c'est si Réhouven dit soit qu'il n'a pas écrit le shtar, ou bien Réhouven dit que c'est un shtar donc falsifié, ou bien Réhouven dit non, c'est vrai que je l'ai écrit mais finalement je ne l'ai pas transmis. Alors, celui qui trouve ce shtar, donc ce chèque, ne le rendra à aucun des deux. Parce qu'il n'y a pas de raison de le donner à Réhouven, puisque Shimon affirme que c'est lui qui a déjà reçu ce chèque de 10 000 shekels, et il n'y a pas de raison non plus de le rendre à Shimon, puisque Réhouven dit qu'il l'a écrit mais qu'il ne l'a pas transmis, ou que c'est un chèque falsifié, et même si on s'est approuvé la signature. Il y a d'abord, ça nous permet aussi d'introduire une deuxième notion importante, et c'est une svara qui va apparaître dans la Mishnah dans la suite essentiellement, c'est que dans la mesure... Ou, de manière générale, lorsque Shimon sort un chèque signé par Réhouven et qui lui dit « Tu me dois 10 000 shekels », c'est écrit dessus. Réhouven ne peut pas prétendre « Ton chèque, il est falsifié, c'est pas ma signature ». Dès qu'on va avoir des témoins qui vont nous dire « Ouais, on reconnaît, c'est la signature de Réhouven », il n'y a plus de doute. On considère que c'est un vrai shtar, un vrai contrat, et chez Réhouven, il est obligé de payer ses 10 000 shekels, ou bien la banque de Réhouven. On ne peut pas contester ça, il n'y a rien à faire. Mais lorsqu'on trouve le shtar par terre, donc ce chèque par terre, alors là, il y a ce qu'on appelle une re'outa. Il est devenu boiteux, ce chèque. Quelqu'un qui a un chèque de 10 000 shekels, il le garde bien dans sa poche. Toutes les 10 minutes, je vérifie là, est-ce que j'ai mon enveloppe avec tous mes nombreux chèques, qui sont bien restés en place, que je ne les ai pas perdus. On ne perd pas facilement des chèques. Donc si on trouve un chèque dans la rue, c'est qu'il y a une histoire bizarre. Le Shimon, père de sa crédibilité, a affirmé qu'il était à lui et qu'il lui a transmis. Ça sent le grossi, cette histoire. D'un autre côté, dire que t'as complètement tort parce qu'on l'a trouvé par terre, ça arrive aussi de perdre. Donc, dans le doute, dans la mesure d'abord où il y a confrontation, Réhouven ne reconnaît pas qu'il a écrit, alors il n'y a plus rien à faire. Celui qui trouve ce chèque devra le garder jusqu'à que vienne Eliyahu Hanavi, Bimher Abeyamenu, et qui va nous dire, effectivement, c'était Réhouven qui l'avait écrit, qui ne l'a pas transmis, ou bien ça appartenait à Shimon. D'accord? Donc on reste d'abord en statu quo, et rien à faire. Celui qui le trouve préserve ce billet, ce shtar, ou ce chèque. Voilà pour la pré-introduction de la prélude de l'introduction de la Mishnah, d'accord?
Ça, c'était la donnée la plus élémentaire que la Mishnah n'en parle pas. Dans notre Mishnah, on va parler maintenant d'un cas plus particulier. On va parler du cas où Réhouven reconnaît qu'il a écrit ce chèque, ce shtar. On ne parle plus du chèque, attention, on va parler maintenant d'un shtar, faites attention. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Réhouven reconnaît que c'est lui qui a écrit ce shtar à Shimon et qu'il lui a transmis. Et a écrit dessus 10 000 shekels. Et malgré tout, la Mishnah va nous dire, dans le commun des cas, d'après Chachamim, pas du tout même, on ne rendra jamais ce shtar ni à Réhouven et ni à Shimon. Même si les deux disent, mais moi je l'ai écrit et je l'ai transmis. Et Shimon nous dit, mais bien sûr je l'ai transmis, il vient de tomber de mes mains. On ne le rend plus. Pour quelle raison? Avec la Svara qu'on a rapportée initialement, à partir du moment où le chèque est tombé par terre, on l'a trouvé dans la rue, c'est un chèque qui sent le roussi, ça sent l'embrouille. Vous allez me dire, mais quelle embrouille peut-on avoir? Et c'est là où ça se complique. Mais Bezrat Hashem, on va bien l'expliquer. D'abord, on va introduire une autre notion, la notion du Shibud Nechassim, les biens garants, la garantie des biens. On va prendre un cas, par exemple, lorsque, supposons que le 1er septembre, j'ai emprunté de l'argent à mon ami Shimon. Mon ami, d'accord, j'ai emprunté de l'argent, ouais, on n'envoie pas les noms, donc j'ai emprunté moi, Aridan, j'ai emprunté de l'argent à mon ami Shimon, 10 000 shekels, et je lui ai écrit un shtar classique. Donc, dans un shtar classique, il y a ce qu'on appelle un shibud nechassim. Ça signifie que mes biens sont garantis. Cela implique tout d'abord, il m'a prêté de l'argent pour 6 mois, 8 mois, je ne sais pas combien de temps qu'ils sont passés. Aujourd'hui, maintenant, 8 mois, 6 mois sont passés, 7 mois sont passés. Il vient me voir, il me dit, ça y est, tu me payes. Si je lui dis, ah, j'ai pas d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Shimon? Il va me dire, oh, t'as pas d'argent? T'as une maison, t'as des biens, on va te prendre tes biens. On va faire une saisie, selon le Beit Din, il y a tout un protocole, un processus, un ordre de comment le faire, d'accord? On aura l'occasion d'en parler, Bezrat Hashem, à la longue, pas demain, mais bientôt, quoi, Bezrat Hashem. Et plutôt, on va battre à même. Et donc, voilà, il vient, donc je reprends mon histoire, il vient me dire, tu payes, je dis, j'ai pas d'argent, mais t'as pas d'argent, donne-moi tes biens. On va te prendre de tes biens, on va partir avec un actuaire, je ne sais pas comment ça s'appelle, quelqu'un qui va évaluer les biens, bon, d'accord, un chamaï, d'accord, il m'échappe le mot, c'est pas grave. Et donc on va venir avec un professionnel, quelqu'un qui va nous faire une estime du prix, il va nous estimer le prix de mes biens, il va les lui transmettre. Ça, c'est le cas classique. Ça, on n'a pas besoin d'alchot de Shibud Nechassim, c'est évident. Si moi, je dois rembourser ma dette, je dois rembourser même avec, la Gemara dit même, Afilou Glimad Al-Kitfe, même mon costume, il pourra me le prendre et se faire encaisser sa dette grâce à lui. Ça, c'est évident. La particularité des Shibud Nechassim, elle est comme ça. Elle est qu'à partir du moment où, le 1er septembre, j'ai emprunté cet argent, mes biens deviennent garants de rembourser cette dette. Si, en octobre, novembre, décembre, j'ai vendu ma maison depuis, et mon voisin a depuis, enfin, celui qui est venu me l'acheter, depuis, il a même investi dans cette maison, et tout ça. Et Shimon débarque maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on est en avril, mars, avril, mai, on est en mai, et il vient, il me dit, tu me donnes de l'argent? Je lui dis, j'ai pas d'argent, donne-moi tes biens, j'ai pas de biens. Alors il va me dire, mais tu sais quoi, attends une minute. En septembre, quand je t'empruntais de l'argent, t'avais une maison, elle est passée sous cette maison. Je vais lui dire, cette maison, je l'ai vendue. Ah, t'as vendu ta maison? Alors je vais partir voir l'acheteur. Et je vais lui dire, écoute mon cher ami, j'avais un droit sur cette maison avant que tu n'achètes. Avant que tu ne l'achètes. Donc, je suis moi prioritaire pour recevoir cette maison. Et il va prendre la maison, rembourser oui ou non les investissements. Mais là, c'est vraiment... Ça fait partie dans ses apibles de Gemara, mais ce n'est pas du tout notre sujet. En tout cas, il va saisir la maison et se faire rembourser sa dette. Et le pauvre acheteur reviendra me voir et il attendra que je refasse fortune. Bezrat Hashem Bekarov. D'accord? Ok, c'est clair? Ça, c'est la notion de Shibud Nechassim. Donc, en trois mots, lorsque j'achète, lorsque j'emprunte de l'argent, mes biens deviennent garants. Et si je cède mes biens ensuite à quelqu'un d'autre, que je les donne ou que je les vende, ou peu importe, celui qui m'a prêté l'argent, le créancier, pourra ensuite aller saisir
le bien qui a été vendu, le prendre, parce qu'il est lui prioritaire sur ce bien, il avait un droit sur ce bien de faire une saisie. D'accord ? Voilà pour la notion de Shibud Nechassim. Et c'est Bidiouk, c'est en ça précisément que toute la Mishnah, en ce point-là précisément. On va tout de suite maintenant illustrer le cas de vice, mais on va le faire à travers les mots, comme ça on parle pas trop en l'air, on commence déjà à entrer dans le texte. Et on fait la Mishnah tout de suite. Matza Shtare Chov. Il a trouvé, quelqu'un qui a trouvé un Shtar Chov, donc un acte de dette, un contrat de dette, un Shtar. Im yesh ba'en acharayut nechassim. S'il y a marqué dans ce contrat que l'argent était prêté avec acharayut nechassim, avec garantie des biens, loyachzir, celui qui a trouvé le shtar ne le rendra pas à personne, même si l'emprunteur et le créancier reconnaissent que ce contrat est actuellement actif, qu'il a une dette envers lui, qu'il a prêté l'argent, qu'il est tombé forcément de sa main, on ne le rendra pas. Pourquoi ? Chez Bet Din Nifra'in Mehem. Parce que le Bet Din, quand il verra ensuite ce contrat, pourra éventuellement partir, se le faire, encaisser, rembourser d'un acheteur potentiel qu'on ne connaît pas. On s'explique maintenant. On va illustrer ça, donc on reste avec le même cas, que l'argent il a été emprunté en septembre, et puis en ce moment on est en mai, et en mai c'est pas le moment, c'est pas la date du Piraon, c'est pas la date du règlement de la dette, c'est uniquement la date à laquelle Réhouven, une autre personne, Lévi, a trouvé ce contrat et veut le restituer soit à moi, soit à Shimon, et il vient nous voir. Donc, on refait la mise en scène encore une fois. 1er septembre, j'empruntais de l'argent et j'avais une maison. Ça, c'est sûr, mais c'est même pas la peine de le préciser. J'empruntais de l'argent 1er septembre. On se retrouve maintenant en mai. Lévi trouve un shtar, un contrat dans la rue que moi, Aridan, je dois de l'argent à Shimon. J'ai emprunté 100 000 shekels. Et il vient de voir, il dit, à qui c'est ce contrat? Je lui dis, ah, ça c'est à Shimon. Va le rendre, le pauvre, là, c'est la preuve que je lui donne de l'argent. Et il va voir Shimon, il dit, ah merci, j'étais angoissé, j'avais des sueurs froides, je ne le trouvais plus, j'avais plus ce qui se passait, j'avais peur. Et ben on va lui dire, non, Lévi, tu ne rends pas le contrat. Pour quelle raison? Pour la simple raison que l'on va craindre qu'éventuellement, en réalité, il y a déjà 4 mois, quand on était fin décembre, j'ai fait fortune, et je suis déjà parti rembourser ma dette à Shimon. Et quand j'ai remboursé ma dette à Shimon, Shimon m'a rendu ce shtar. Et en théorie, j'aurais dû le déchirer. Et pour X ou Y raison, j'ai pas déchiré ce contrat. Et ensuite, il est tombé de mes mains. Et entre-temps, alors là, en février-mars, j'ai vendu une maison. Et quand j'ai vendu cette maison-là, elle coûtait un certain prix, et il s'avère qu'il y a eu depuis une inflation, et je regrette amèrement d'avoir vendu cette maison. Et du coup, ce shtar, ce contrat réapparaît. Alors du coup, je suis vite parti voir Shimon, je lui ai dit, oh là là, j'ai une super embrouille. Regarde, t'as vu ma maison que j'avais vendue à l'époque là à 100 000, elle coûte aujourd'hui 500 000. Il y a une inflation des prix terrible. Viens, on va faire une embrouille, toi et moi. On fait comme si que l'argent que je t'ai remboursé en réalité en février, en fin décembre, fais comme si je te l'ai pas remboursé. Et donc tu viens aujourd'hui en mai et tu me dis alors paye-moi, et puis moi je te dis ah j'ai pas d'argent, et tu vas partir ressaisir la fameuse maison théorique qu'on ne sait pas est-ce qu'elle est là ou pas, tu vas partir ressaisir la maison qui a depuis triplé, quintuplé son prix, et ensuite tu la récupères, donc tu te fais rembourser et tous les deux on se partage et on va faire 250 250, et je rembourserai bien évidemment les 100 000 à ce pauvre type qui est à ce pauvre acheteur qu'on a arnaqué. Et comme ça, on va se retrouver avec le 200 000 shekels supplémentaires, on va être très heureux. Elle est claire l'embrouille? C'est-à-dire, on ne sait pas est-ce que j'ai vendu ou j'ai pas vendu de bien depuis. Mais l'on va craindre qu'à partir du moment où le shtar, ou le contrat, se retrouve par terre, c'est un contrat qui sent le roussi. C'est bizarre cette histoire, elle n'est pas nette. C'est pas normal qu'on trouve un contrat par terre. Peut-être que maintenant, à partir du moment où le shtar est sorti des mains des personnes concernées, on imagine que tout est possible. Il a perdu tout son impact, toute sa force. Elle s'est dissipée depuis le moment où il a quitté les mains de l'emprunteur et du créancier. Donc désormais, on va tout supposer et on va dire, toi maintenant, Lévi qui a trouvé ce contrat, tu ne le rembourseras pas. Peut-être qu'en ce moment, ils sont en train de faire une grosse embrouille pour récupérer un terrain de moi-même, donc Harry,
pour récupérer une maison qu'il avait vendue et qu'il regrette de l'avoir vendue finalement. Ils sont en train de faire une entourloupe pour essayer de la récupérer. Et donc il n'est pas question que tu rendes ce contrat. Vous voyez que ce n'est pas tellement compliqué. Reprenez le cours plusieurs fois, vous verrez que c'est pas. Je pense que ça a été bien expliqué, mais c'est un. Ça, c'est l'axiome de base de la Mishnah. Et c'est le premier cas explicite dans la Mishnah. On refait ça dans les mots. Matsa shtare chov. S'il a trouvé un contrat de dette, d'accord, un acte de dette. Im yesh ben acharayut nechassim. Si il y a écrit dans ce shtar que ses biens sont garantis, donc un shibud nechassim, acharayut nechassim. Comme en hébreu, acharayut, une garantie. Lo yachazir. Lévi ne remboursera pas. Ne rendra pas le shtar à ni à moi-même ni à mon créancier, à aucun des deux. Et même si je reconnais que je lui donne l'argent, pourquoi? Shebet din ni faimen, parce que c'est un shtar, c'est un contrat théorique où le bedin, ou en théorie le bedin peut l'utiliser pour partir faire une saisie de quelqu'un d'autre. Nous, on va oublier cette histoire. Et dans 3 ans, ça va se passer la fameuse scène qui va ressortir son terrain et qui va dire « Alors, tu m'as toujours pas rendu la dette. » Et puis hop, on va réaliser qu'en fait, le Bedin va contribuer, donc Lévi, en fait, en réalité, va contribuer à arnaquer le pauvre acheteur de rendre la maison qu'il avait acquise. Donc, on peut pas faire ça. Ben non. « En ba'en achariyut nechassim » Si, par contre, dans le shtar, alors là, maintenant... Donc, on fait tout de suite une petite pause maintenant et je vous introduis maintenant la particularité de la Mishnah, maintenant la marloquette qu'il va y avoir entre Rabbi Meir et Chachamim. Cette fois-ci, on va parler d'un cas où dans un shtar, il y a écrit que je lui dois de l'argent, mais il n'y a pas écrit que mes biens sont garantis. Mais il n'y a pas écrit non plus que mes biens ne sont pas garantis, il n'y a rien écrit. Alors là, on a une marloquette. Lorsqu'il n'y a pas écrit que les biens sont garantis, est-ce que Acharayut Taout Sofer ou Lav Taout Sofer? Comment interpréter cette omission? C'est pas logique qu'on n'évoque pas là. Le shibud nechassim, c'est pas logique qu'on n'évoque pas dans le contrat, qu'on n'évoque pas là-bas, est-ce que les biens sont oui ou non garantis. Alors, on va avoir Chachamim, tout de suite, je l'introduis tout de suite, Chachamim, ils vont dire, non, acharayut taout sofer. Le fait qu'il n'y ait rien écrit sur la... qu'il n'y ait pas écrit de garantie dans le shtar, c'est parce que acharayut taout sofer, c'est l'erreur du scribe. Lorsqu'il a écrit, il était tellement ému de, je ne sais pas pourquoi, ce scribe, là, pendant qu'il était en train d'écrire le shtar avec des belles lettres, il a sauté la ligne, ce monsieur dans la lune. D'accord? De ce fait, même si dans le shtar, dans le contrat, il n'y a pas écrit qu'il y a une acharayut, on va considérer qu'il y a une acharayut. De ce fait, même s'il n'y a pas écrit que les biens sont garantis, Lévi ne pourra pas rendre le shtar. Ça, c'est la vitra chamim. Et Rabbi Meir va nous dire uniquement acharayut lav taout sofer. Le fait qu'il n'y ait pas écrit de acharayut, ce n'est pas une erreur du sofer, mais c'est consciemment, ça a été omis consciemment, et ils n'ont pas voulu écrire qu'il n'y avait pas de acharayut explicitement, mais c'est pas grave, pour le moment, c'était une omission consciente, et de ce fait, on pourra le rendre. Lévi pourra rendre le shtar à moi, ou au créancier selon ce qu'on reconnaît, donc il pourra le rendre au créancier puisque je reconnais que je lui dois encore de l'argent, et il n'y aura en cela aucune perte à personne puisqu'il n'y a pas de acharayut. Et puisque, alors là on revient au cas du chèque qu'on introduisait initialement, puisque je reconnais que je lui dois de l'argent et que c'est bien signé par moi, alors qu'il le prenne, ve inemato vumana, il me l'a gagné, tant mieux pour lui. Ok, c'est clair. Alors on fait la suite maintenant du mot. En ba'en acharayut nechassim. S'il n'y avait pas de garantie de bien, de garantie de dette de par ses biens, alors yachazir, il pourra le rendre ce shtar. Pourquoi? Shen bet din nifraim me'ed. Parce que le bet din, le tribunal, n'aidera pas d'aller encaisser ce contrat en faisant perdre un acheteur potentiel de ses biens. Divrei Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. Va chachamim omrim. Par contre, chachamim pense, non, ben kach ou ben kach, lo yachazir. Dans tous les cas, le Bet Din ne restituera pas, on ne restituera pas le contrat à aucun des deux, même si les deux parties reconnaissent que la dette est encore active. Mipene chez Bet Din Nifra In Me'em, parce que le Bet Din se fait encaisser un tel contrat. C'est-à-dire, ira encaisser d'un acheteur potentiel ce contrat, même s'il n'y a pas marqué d'Achariot, comme ce qu'on a tout bien expliqué, bah vous prochaine. On fait maintenant le Barthénois rapidement dans les mots, comme ça nous fait un cours pas trop long quand même. Acharayut nechassim, c'est quoi acharayut nechassim? La garantie des biens, shibud karkaot shigve me'en, le fait que ces biens immobiliers sont garants, doivent rembourser la dette. Lo yachazir, il ne rendra pas le shtar.
Pourquoi? Parce qu'on craint qu'en réalité, je lui ai déjà remboursé l'argent depuis fin décembre. Et on est en train de faire en ce moment une knounia, une arnaque. Knounia, c'est une arnaque. Je crois que même en hébreu moderne, ils utilisent ce mot. Schéma, où elle est l'arnaque ici? Schéma, shtar parouaou. Peut-être qu'en réalité, c'est un contrat qui a déjà été remboursé. Au minalo venafal. Et une fois qu'il me l'avait remboursé, moi je l'avais gardé. Et pour X ou Y raison, je ne l'ai pas déchiré. Mais maintenant, j'étais beaucoup plus cool, light, avec de garder ce contrat, étant donné qu'il a déjà été remboursé. Vehadeka modelo parati. Alors dans ce cas-là, pourquoi je suis en train d'affirmer que je reconnais que je lui dois encore de l'argent? Etza shel ramauti benehem. C'est un. Et ça, c'est une ruse, un conseil de rusé qu'ils ont fait entre eux. Litrof et Alekouchot, afin de partir dépouiller un acheteur potentiel. Chez la Chromimnokarka Beloacharyut, qui aurait pris un éventuel, qui aurait acheté de moi, donc, un éventuel Karka terrain sans Acharyut. Le partenaire, il explique un petit peu différemment. Veyir Lekoua Benehem, et il risque de la partager ensuite entre eux. D'accord ? Ça vient en même, je préfère pas rentrer dans tous les détails. C'est possible que le Barthénora, d'ailleurs, c'est plus simple d'expliquer comme ce qu'il a dit que ce que j'ai dit, mais on va s'arrêter là. Ensuite, on continue la suite du Barthénora. Alors maintenant, on est dans la vie de Chachamim qui nous dit non, même quand il n'y a pas de Acharayut Nechassim, même quand le Sofer, le scribe, n'a pas écrit la Acharayut, on ne rendra pas. Pourquoi? Parce que Mipnesh Beddin Ifrain même, parce que dans tous les cas, le Beddin se fait, l'aidera à encaisser et à saisir donc pour le remboursement de cette dette. Pourquoi? Car un contrat où il n'y a pas de garantie, on ira malgré tout se le faire encaisser des biens engagés. Parce que l'omission de la charayut, de la garantie des biens écrite dans le contrat, c'est taout sofer, c'est le rendu scribe, mais c'est sûr qu'elle est là. Alors, donc de nouveau, on va craindre qu'il a en réalité remboursé en fin décembre, et que depuis il a vendu en février, et qu'il regrette aujourd'hui, qu'ils veulent faire une arnaque. Nounia, c'est une arnaque. Ve alacha ke chachamim, et la alacha est tranchée comme chachamim. Ve davka bishtar she'en nizkar bo achayut amru chachamim de taout soferu. La Mishnah maintenant nous précise qu'attention, uniquement dans le cas où le shtar she'en nizkar bo achayut amru chachamim de taout soferu, tout le cas où chachamim ont dit que Acharayut taout sofer, c'est uniquement lorsqu'on n'a rien précisé. Et qu'il pourra de ce fait partir, faire encaisser des biens, comme si qu'il avait écrit dedans une acharayut. Aval impiresh bishtar sheno rotzel kebal acharayut. Par contre, s'il a explicité dans le contrat, et dans cette dette, il n'y a pas de bien engagé. Donc ils ont dit explicitement qu'il n'y a pas d'acharayut. Vadaï que modim chachamim deyarzir. Chachamim reconnaissent qu'il pourra dans ce cas-là rendre. Donc Lévi pourra rendre le contrat à Shimon, mon créancier. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus d'embrouille entre nous. D'accord? Je préfère maintenant prendre une petite minute pour vous ajouter un détail important, histoire de mieux comprendre cette un petit détail. Je suis sûr que celui qui a tout suivi, et que malgré tout, qui a manqué un détail, il se dit, mais finalement quoi, c'est une arnaque. Vous vous rendez compte, il a perdu le pauvre Shimon, maintenant il a perdu le contrat de dette que je lui devais, alors que moi-même je reconnais que je lui dois de la dette, c'est dégueulasse, il va perdre, comment on va faire? Alors je tiens juste à préciser un truc. Si en réalité, je suis pas en train de faire une ruse, une arnaque, parce qu'il n'y a eu aucun acheteur depuis qui risque de se faire arnaquer, eh ben j'ai qu'à lui écrire aujourd'hui un nouveau contrat. Ah, ça va coûter 100 shekels de plus de donner à un sofer d'écrire un contrat. C'est pas grave, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas malgré tout courir le risque de lui donner un deuxième contrat. Donc si finalement, moi je suis d'accord que je lui dois de la dette, et je compatis, et lui, il regrette, il est en train de pleurer, et je comprends pas le psaque du Bedin, quoi, le Lévi n'a pas le droit de lui rembourser, de lui rendre le contrat. Si effectivement t'es pas en train de faire une arnaque avec ton copain, vous vous êtes pas mis de mèche pour partir chipper le terrain, la maison achetée de quelqu'un d'autre, et ben j'ai qu'à moi lui écrire un nouveau contrat aujourd'hui. Et ouais, d'accord, on va s'arrêter là, je pense que c'est déjà pas mal. Et voilà, c'est juste pour histoire de mieux préciser, malgré tout, mieux comprendre cette halakha, que finalement, nous,
Notre souci, c'est de défendre les acheteurs potentiels qu'on ne connaît pas pour le moment. Ils ne sont pas manifestés. Et d'ailleurs, si on se manifestait dans les 3 prochains mois, c'est sûr qu'on se souviendra de l'histoire et qu'on vous tapera sur les doigts. Mais bon, mais peut-être que vous allez finalement taire l'histoire pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis après, vous allez ressortir un vieux dossier. Et tout le monde va se retrouver la bouche bée devant votre histoire. Oh là là, il s'est fait arnaquer l'autre. Ouais. Donc nous, dans le doute, on ne peut pas le faire. Si vraiment je suis si honnête et si franc, et l'autre, je suis si peiné pour lui, ben, j'ai qu'à lui écrire un deuxième contrat. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Et rendez-vous, Bezat Hashem, dimanche, Shabbat Shalom, Mubarak, Kol Tov.